Salut, comment ça va? Je m'appelle Budi, je suis indonésien et je vais vous apprendre Bahasa Indonésia. What, baby? I'm preparing my Indonesian course. Is it okay for you? Can you just stay there? Okay. See you, baby. Maintenant, nous allons apprendre comment se présenter ou présenter quelqu'un en Bahasa Indonésia, bien évidemment. Mais d'abord, je pense que nous avons besoin de connaître les pronoms en indonésien. Bon, le premier, vous avez saya, qui veut dire je ou moi. Vous avez également aku, qui veut dire aussi je ou moi, mais on l'utilise plutôt pour le langage familier. Après, vous avez kamu, qui veut dire tu ou toi. Ensuite, vous avez également anda. Anda, qui veut dire vous, pour la politesse, qui se remplace souvent directement par l'appellation de la troisième personne, papa, ibu, etc. Kalian, qui veut dire aussi vous, donc kalian, vous, mais au pluriel. Quand on s'adresse à plusieurs personnes, on dit kalian. Ensuite, dia, il ou elle. Kami et kita. Kami, kita, ça veut dire nous. Dans le langage familier, ces deux mots sont souvent interchangeables, mais en général, on utilise le mot kita si la personne avec qui on parle est inclue. Je vais vous donner un exemple, ok? Kami orang Indonesia. Kalian orang Perancis. Tapi kita semua manusia. Ça veut dire nous sommes indonésiens, vous êtes français, mais nous sommes tous des êtres humains. Je vais répéter. Kami orang Indonesia. Kalian orang Prancis, tapi kita semua manusia. Ok? Voilà. Ensuite, nous avons mereka. Mereka. Mereka, ça veut dire il ou eux ou elle. Voilà, ça dépend du contexte. Récapitulons. Saya. Aku, Anda, kalian, dia, kami, kita, mereka. Je vais vous apprendre maintenant comment se présenter en indonésien, ok? Bon. Hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Nama saya Budi. Saya orang Indonesia. Saya tinggal di Numea. Dan saya guru bahasa Indonesia. Salut, je m'appelle Budi. Je suis indonésien. J'habite à Numea. Et je suis professeur de langue indonésienne. Itu kucing saya, namanya Koka. C'est mon chat, il s'appelle Koka. Hai, apa kabar? Nama saya Budi. Saya orang Indonesia. Saya tinggal di Numea. Saya guru bahasa Indonesia.
Itu kucing saya. Namanya Koka. J'ai appris comment se présenter et présenter quelqu'un d'autre. Je dis pourquoi pas, faites vos propres phrases à la maison et laissez libre cours à votre imagination. Terima kasih, sampai jumpa! Terima kasih.